Bonjour à tous et à toutes, je suis Aurélius et bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. La dernière fois, nous avons engagé la résistance, enfin, avec Sylvester machin. Merci, j'écoute l'histoire. Voilà, alors c'est un mélange Sylvester, Jean-Marie Le Pen. Mais voilà, on est sur un mec qui veut impressionner Kat parce qu'il est tombé amoureux, hein, voilà, ça arrive, écoutez. J'ai en même temps droppé la meilleure épée pour Ryu, la Starbringer, hein, la fameuse. J'ai récupéré Sten parce que j'ai fait un test en me disant, tiens, 3 personnes, ça va être chaud, est-ce que je peux utiliser 4 personnes? Oui, je peux utiliser 4 personnes. Et dans cette église de je ne sais plus quoi, l'église Bando, qui pratique évidemment le bandolisme, et bien il y avait une cachette sous la statuette et nous avons décidé de nous y rendre pour cette petite session. J'avais oublié qu'il y avait ça. J'ai 16 000 balles, j'aurais dû déposer un peu d'argent. J'ai équipé Sten avec un meilleur couteau et une meilleure armure. Je ne peux pas te laisser aller plus loin. Ma maman, je suis méchant. Et tu es un soldat. J'ai, je crois, soigné tout le monde en termes de PVPM. Il y a juste l'End qui n'a pas changé d'arme depuis un très très long moment. Ça m'ennuie un petit peu. Parce que c'est le second maillon faible avec Nina. Parce que Nina, malgré ses 183 de vie, qui est plutôt acceptable, n'a toujours pas assez de défense. Et moi, ça m'ennuie un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit flamme 2, tiens. Alors, je vous assure que Sten a une meilleure attaque, je vous l'assure. Ne vous fiez pas à ce 33 de dégâts. Comment ça, du soin? Bah, y'a plus de soin. Lol. Oh, double crit. C'est beau. L'end. Non, l'end. Le 8.2.0. 8.2. C'est pas ça du tout. Je vais le garder pour plus tard. Petite flamme. Ou non, petite bombe. Et Nina, bon bah on va attaquer directement avec le froid 3. Sans 6, ouais, pas super ouf. Ah, il fait que du soin là. D'accord. Qu'est-ce que ça annonce-t-il? Ah, c'est chaud ce combat, on dirait presque un combat de boss. Nina, bon, le froid 3, ça sert à rien, on va tenter un vent 2. Il est très très long ce combat. Est-ce que c'est utile? C'était utile. 6000 d'XP, ça va. Ça va. Raisonnable, dirons-nous. Ah, et c'est maintenant qu'il y a du combat. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des esprits démoniaques. Évidemment, des esprits démoniaques, yak yak. Un vent, tiens. Aïe. Ah, j'aurais dû le soigner. Idiot. Ce petit 232 de dégâts, il était délicieux. 5000 d'XP pour ça.
bel endroit pour farmer. Ah, je me suis quand même pris masse de vie en moins. Je ne sais pas si j'ai pensé à prendre des noix Q. IQ. Je ne sais plus. Mais ces dégâts, si tout le monde pouvait faire au moins 90 de dégâts en normal, ça serait beau. C'est pas le cas, mais j'espère un jour ça va arriver. Bon, en tout cas, ça fait de l'XP, c'est bien. Il est long ce couloir, il est très très long ce couloir. Si c'est juste un long couloir, je me sentirais un tout petit peu déçu. Mais vraiment un petit peu. Non, tiens, feu éclair. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique ce qui se passe. Aucun problème pendant ces 7 premières minutes. Alors que un vieux court. Et un vieux qui court, en général, c'est pas bon signe. Hein, je sais. Un vieux qui court, attention. Est-ce que je prendrai le risque? Ah, j'en ai que deux. Mince. Je vais m'en mettre une. J'en mettrai une sur Nina et j'en ai plus. Donc j'ai intérêt à bien jouer. Ah. Ah, je connais ça. Ça me rappelle un petit peu les énigmes dans ce petit jeu qui s'appelle Myst. Hein, je ne sais pas si vous connaissez. C'est actuellement ce que je suis en train de me faire. Au moment où cette vidéo sortira, je pense, ça sera autour du 20 novembre, dans la semaine du 20, peut-être le 18 exactement, ce sera mercredi de toute façon. Potentiellement, j'aurai terminé tous les mystes. Ce qui représente 7 jeux. Et ça fait beaucoup. D'XP, joli. Alors, si je ramène la porte ici, on est d'accord que ça va m'amener à un endroit de type bonus. Voilà, où il n'y a rien. Il aurait pu avoir un coffre. Il n'y a pas coffre. Mais, ah d'accord, je suis dans une issue. Explicite. Tu es où? Issue. Ok. Ah, Len qui n'a plus aucun point de magie, ça je l'avais pas prévu dans mon plan. Et j'ai un coffre. Ryu a obtenu Vipère BT. C'est une rapière? Alors je dis rapière, j'en suis pas sûr. Ou alors c'est un fouet. Une arme de danseur lutteur. Et bah c'est pour 4. Danseur lutteur. Oui, bah c'est pour 4 en fait. Attends, t'es en train. Non, c'est tout.
Non, y a forcément autre chose. Genre, tu vas me dire, il y a juste un coffre. Et c'est tout. Non, c'est dans cette salle, y a un secret. Il y a forcément un secret quelque part. D'accord. Alors, je refuse d'être bloqué sur une énigme comme ça. Qu'on soit bien clair, le jeu. N'essaye pas de m'avoir. N'essaye pas. Surtout pas. Il y a forcément une sortie, quelque chose sur un côté. Ou alors c'est beaucoup plus fourbe que ça. Et alors ça, ce serait du génie. Attendez. Ok, je vais tester quelque chose. Si c'est ça, je suis non seulement un génie. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est pas très vrai, mais Eh. Donc là, je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait avancer deux fois. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette chose étrange et perturbante? Oh, c'est trop bien cette musique. J'aime beaucoup. Non, faute. Voilà. Alors, je n'arrive pas à voir où est-ce que je dois aller. Voilà, si, c'est bien ce que je pensais. Donc là, je l'avance. Mince. Est-ce que je l'ai trop avancé? L'aurais-je trop avancé? Ouais. C'est une question que je me pose. Ah bah non, je l'ai pile avancé. Putain, je suis un génie. Je réfère en même temps avec la solution à côté parce que j'ai un doute. Hein. Donc, m'en voulez pas si à certains moments il y a du blanc. Hein. Ça arrive. Écoutez, c'est comme ça. Il n'empêche, ça se passe bien. Pour le moment, cependant. Ah, l'un de 31 qui apprend cure. Alors, cure, c'est quoi? Hein? Dis-je avant que mon héros meure. Ouais, petit soin quand même. Alors, on va ranger. Enfin, mettre de l'ordre plutôt. Voilà. Qu'est-ce que c'est, cure? Les statues à normaux. Pas mal. Alors, oui, c'est bien le bon chemin. Si je vais en bas. Parce que. Pourquoi pas? Je suis tombé sur une salle bonus avec un coffre. Trop.
Oh, quel génie qui obtient 1000 balles. Oh, ce génie. Oh là là. Attaque surprise, et ben fuite. Et si je vais de l'autre côté, y'a rien, ok. Oh, j'ai vérifié. Je regarde pas. Donc c'est là d'où je viens. Ok, donc c'est l'escalier à gauche. À droite plutôt. Ça y est, je suis déjà en train d'être perdu. Si je dois jouer avec le moins de magie possible, ça va être très complexe. Ça va être beaucoup, beaucoup complexe quand même. Ça me plaît pas beaucoup. C'est la pire contrainte que je vais avoir en combat, ça. Jouer sans magie. Cependant, Ryu à la limite, en corps à corps, je pense qu'il doit mettre autant voire plus de dégâts qu'avec sa magie, donc ça, c'est le boss. C'est une chose que je peux régler. Les autres, Lend, je pense qu'il va y avoir, il va avoir sa magie pour soigner les membres du groupe. Nina, bah, à part froid et sans doute, je crois, c'est elle qui... Non, elle, c'est que les magies d'attaque. Bah, à part froid et certaines magies d'attaque, pas grand chose. Et puis Sten, à la limite, Sten, je peux bourrer la flamme 2 dès le début. Parce que j'ai pas le choix. Et peut-être que je peux m'en sortir. Bon, on va se mettre full point de vie avant de s'attaquer au boss de cette zone qui aura été rapide. Allez voir. Je ne me plains pas, mais peut-être que le combat va durer une demi-heure. Oh, vous nous avez trouvé. Oh, vous n'avez pas l'air d'être un bandit. Ah, avez-vous quelque chose contre Saint-Eva? Oui. Oh, est-ce que je vous ai fait une mauvaise impression? Oh, que pensez-vous que j'ai fait? Je n'ai fait qu'emmener des croyants à la grande église. Ah, c'est tout. Mais y a-t-il quelque chose de mal à cela? Oh mon Dieu. Tous les croyants ont voulu partir pour la grande église. Alors, je les ai emmenés. Le cœur de tous s'était déchiré. Oh, l'esprit d'une personne moyenne ne pouvait pas combattre les énormes pouvoirs de Saint-Eva. Oh, il est devenu menaçant. Et c'était un démon. Oh, belle tête. Avez-vous vu les gens qui sont dans la prison? Ils vont tous à la grande église. Lorsque vous les enfermerez de cette façon, ils se mettent alors à prier Saint-Eva comme s'ils devenaient fous. De fortes prières donnent à notre Dieu d'incroyables pouvoirs. C'était pas dans le plan. Mais du coup, j'ai peut-être une strat. Bon, d'accord, c'est des zombies, ok. Donc Ryu, Len, Sten, Nina, ma petite Nina. C'est le moment de me montrer que Ange, c'est utile. C'est nul. Ah, c'est nul. Ah, tu me déçois, Nina. Non, pas toi. Pas après tout ce qu'on a vécu. Ça me semblait logique pourtant, un pouvoir angélique sur des zombies qui sont inversement proportionnels des ténèbres. Cette phrase n'a pas de sens. Mais vous avez saisi les... Eh mais dis donc, ils sont résistants. Ils sont bien résistants. Bon bah, Nina. Bon, ok. Ange, ça ne marche pas. Mort, c'est sur un seul, c'est mort. Bah c'est mort du coup, MDR. Donc du coup, froid, 3. Est-ce que ça va fonctionner? Eh bah c'est bien plus efficace. Par contre, est-ce que un zombie peut mourir? Ce serait bien.
un zombie sur 3, ça fait pas beaucoup. Ok, donc drain c'est la magie, pompe c'est la vie, j'ai compris. Vous l'avez sans doute compris bien avant moi, et c'est tant mieux. Bon, celui-là je peux le finir, tranquille, au cac. Enfin, j'ai eu une attaque, au corps à corps. Huh, j'étais, je l'avais pas vu venir, j'étais pas prêt. Actuellement, si je gagne contre le boss, j'ai de la chance. Merci beaucoup, tout le monde. Ah, merci de les avoir tués. L'âme des morts va directement au dieu Deva et devient alors la force de Dieu. Maintenant, nous allons nous emparer de vos âmes. Oh, il est moche. Alors, Necroman. Eh ben, on va tester tous les sorts et voir ce qui fonctionne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ange, ça doit one shot, mais je vais pas l'essayer. Mort, ça one shot sûr, mais je vais pas l'essayer. On va essayer froid 3, on va faire full sort. Aïe, ça pique. Donc il a l'avantage sur les attaques. Oh, c'est un critique. C'est un critique un peu nul, mais il mérite d'exister. Ah, flamme qui a très bien marché. Ce petit 300 de dégâts qui fonctionne comme il faut. Et bon, bah Sten. Stenland, ton rôle est tout trouvé. Tu vas soigner Ryu. Sten va continuer avec flamme. Et Nina. Je ne vais pas essayer. Non, je vais pas essayer ça. On va essayer moins d'agilité. Ah, et c'est le zombie sur... Ah, et ben, il est mort. Est-ce que ça fonctionne? Ça, ça fonctionne pas. Échec. Dans ce cas, et ben, vie. Ah, les flammes ont l'air de fonctionner. Je retiens, les flammes fonctionnent. Donc Sten n'a plus de magie. Bon bah flamme classique. Et Nina, bah flamme 2. Écoute, si ça marche. Ouch. Putain, ce zombie qui est quand même pas mal puissant. Ah ouais, flamme classique, pas ouf. Incroyable, il est revenu à la vie. Et Ryu va attaquer. Quoique Land, non, tu vas lui donner du soin. Stand, tu vas lui tu vas attaquer. Et Nina, tu vas continuer avec Flamme 2. Non mais j'aimerais pouvoir réussir. J'en ai 2 sur 4 qui vont possiblement mal finir à la fin de ce combat si je ne fais rien. Ça m'énerve. Zblu, ce petit critique. Allez, bon, alors niveau attaque, Land, heureusement que tu as appris un sort utile qui va aller sur Ryu, tandis que Sten, et ben tu vas redonner un soin à Ryu. Et Nina, faire ton dernier sort. Et puis après, bah, ça va être très long. Là, faut juste éviter que Ryu meure. Si on a un des trois qui meurt, je peux lui redonner une herbe vie. Ça va lui faire, je crois que c'est PVPM. Ce qui est super. Mais c'est ça, sur 12 de dégâts. Mais c'est fou. Ah, c'est devenu un zombie. Et bah, à
Attends, j'ai pas un truc comme ça. Attends. Annule une malédiction. Attendez. Alors que sage bleu, c'est super utile. Et bah sage bleu sur Nina. Et Nina, attention, je vais tester un truc, un contre-poison. Non, pas un contre-poison. Une vitamine. Est-ce qu'on est en train de tester des trucs? Oui. Oh là là, quel effet! Quel effet incroyable. Ah bah, enfin. Bon bah, j'ai un mec zombifié. Il est fort! C'est un membre du clan du dragon, Ryu. Mais il ne peut probablement pas rivaliser avec notre dieu. Notre dieu est le roi de ce monde. Le jour où il se montrera après avoir absorbé la force de tous ses croyants et proches. Et il meurt. Alors que l'End est mort. C'est-à-dire que... il est mort. C'est au cas où, ça. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Le chèvre. Il peut entrer et sortir de Evray comme bon lui semble. Oh là là, c'est génial. Est-ce que je peux me téléporter? Merci, Ina, de ne pas être utile. Eh ben, on va faire demi-tour. Du coup, ce qui est bien, c'est que ceci va me permettre, si je peux revenir dans le donjon, ce que je vais sûrement pas faire, d'y accéder comme bon me semble, et de farmer. Il n'y a plus de combat. C'est bien ça. Est-ce que je peux libérer les prisonniers? C'est une question que je me pose et qui mérite d'avoir une réponse. Voilà. Pourquoi nous retient-il de cette façon? Il doit être en train de préparer quelque chose de vraiment maléfique. Oui, papy. Je suis enfermé. Vous pouvez sortir. Non mais je vous assure, vous pouvez sortir, hein, monsieur, dame. Vous pouvez le faire, hein. Moi je l'ai fait. Ça a marché. Vous aussi vous pouvez sortir, hein. Le père, il m'a trompé. Oui. Je suis sûr qu'il a menti sur à beaucoup de gens et qu'il les a tous tués. C'est une très fine déduction, mon petit. Bravo, je suis fier de toi. Tu es très très fort. Là, c'est où il y avait le coffre. Et là, c'est la salle où il n'y a rien. Peut-être y a-t-il un truc maintenant? Il n'y a rien. J'espère. J'espère un peu quand même. Et puis on redescend malgré tous ces squelettes. On va quand même avancer un tout petit peu plus. Même si je pourrais m'arrêter là, un petit épisode comme ça, c'est un peu digeste. C'est le moment où on fait une petite pause. Oh, qui êtes-vous? Que faites-vous dans cette église sacrée? Bah, bonjour déjà. Ah, salut! Ah, c'est moi! Ryu, qu'est-ce que tu as? Est-ce que t'as eu en soi de trouver un moyen de nous rendre à Evray? Mais que penses-tu? Pas mal, non? Ah, j'ai trouvé les vêtements du prêtre! Et c'est une nonne! C'est MDR? Les autres doivent se comporter comme des croyants! Et nous entrerons dans la grande église, d'accord?
Ok, tout le monde, nous sommes prêts à attaquer la grande église. J'aimerais que chacun d'entre vous se comporte comme un croyant de Saint-Évin. Alors étudiez les enseignements de Saint-Évin. Parce qu'il faut bien le dire quand même. Mais vous barrez pas. Mais me laissez pas tout seul. Hé hey, Ryu, est-ce que ça te gêne que je reste avec Tia? Non. Ah, bah, je vois. Bien. Tiens-toi, hein. Tu me rends mon équipement? Ça me gêne pour Tia, mais je veux pas devenir sa femme. Je reviendrai avec vous, de toute façon. Dis-le à tout le monde, de ma part. Tu me rends l'équipement? J'ai un bâton pour toi. Non? D'accord. Nous y sommes. Il est presque temps d'investir la grande église. Sommes-nous prêts, Ryu? Tu as pris les enseignements de Saint-Évin? Non. Je suis sûr que nous allons être questionnés sur les enseignements de Saint-Évin à l'entrée de la grande église. Si nous ne pouvons pas répondre à ces questions, nous allons voir des problèmes. Va à l'église et apprends les enseignements de Saint-Évin. Bah oui. Nous allons avancer sur le chemin des vrais. Si tu es inquiet à propos des enseignements de Saint-Évin, va à l'église en chemin et fais un don. Ils te les apprendront. Alors, on se voit plus tard, Ryu, à la quête d'équipement. On se retrouve chez Clarisse, ça est vrai. N'oublie pas les enseignements de Saint-Évin. Je peux bouger. Ah, oh, je suis le chef, donc je combats pas, je vais me reposer. Mais va mourir. Mais non, mais casse-toi. Et bah voilà. Bah moi, je pense que... Petite session. Elle est bien, ça. Ça fait une petite demi-heure, je pense que... On se repose, là. C'est le moment repos. Je vais juste me diriger vers une église. Voilà. Alors n'importe quelle église fera l'affaire. Et on va donner l'argent. Évidemment. Alors attendez, je prends une église vraiment tout au hasard. Genre première ville que je trouve. Voilà, genre ici. Je sais pas où c'est. Roche, on est au début. Et c'est fou quand même. Alors, l'église. L'église. Ok, c'est pas là. Bon, on va gérer ailleurs. C'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Normalement, il y a une église. À gauche, droite, je crois. C'est ici qu'il y a une église. Est-ce que je suis pas trop fort? Bienvenue dans la maison de Saint-Évin. Que pouvons-nous faire? Eh ben, écoute, je vais faire un don. Ah, mais tu peux prendre plus, hein. Merci beaucoup. Ah, mais prends mon argent, hein. Prends mon argent. Vraiment, prends mon argent. Alors, j'avais déjà donné avant. Je ne sais plus combien j'avais déjà donné. Je crois que je devais être pas loin de 1000. Donc, ça va être long. Il est temps. Je vais laisser tout ce passage. En même temps, on va profiter un petit peu de la musique. Très belle musique, d'ailleurs, hein.
Ah, je laisse. Je le laisse, je vous assure. C'est long, mais il faut montrer que ce jeu, en plus d'être plus ou moins difficile, d'ailleurs je sais pourquoi il est difficile, je l'ai découvert, c'est parce que c'est Capcom qui l'a rendu plus dur. Semblerait-il que le premier jeu était un peu facile. Ce qui est quand même un mensonge au début de l'aventure, parce que faut quand même farmer un petit peu jusqu'au niveau 3-4. Après, c'est vrai que ça va un peu mieux. Mais quand même, hein, messieurs de Capcom, ne vous fichez pas de moi. Et aussi, je vais peut-être, après la fin du 2, faire une pause, parce que le 3 est sur PlayStation. Je ne sais pas si j'arriverai à faire tourner de la PlayStation. C'est une très grande question. Et je vais sûrement faire un RPG PC, une petite découverte d'un titre que j'ai découvert en achetant pas mal de CD dernièrement, que vous pouvez retrouver sur les Realtime évidemment. Cette année quand même, cette deuxième partie d'année a été une folie. Et c'est grâce à des jeux offerts par ce magazine bien connu, PC Jeux. Magazine. Je ne vous dis pas le nom du jeu. Ah ben voilà, comme marque de notre gratitude pour ta contribution, accepte ceci. La Bible de Saint Eva. Oui, la Bible. Ça aurait pu être la Bible des tips. Hein. Mais c'est la Bible de Saint Eva. La parole du Père Eva. Evans. Eh ben écoutez, je la dirai plus tard. C'est dans cette magnifique liste que je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette petite session quand même. Bon, je l'ai rallongé un petit peu, mais c'était sympa. C'était une demi-heure calme, tranquille, où j'ai pu me reposer. Pas de difficulté. Enfin, pseudo-difficulté au début. Si ça vous a plu, je vous invite à regarder les autres vidéos sur Breath of Fire 2 qui font environ une heure à chaque fois. C'est normal. Je vous invite évidemment à mettre un commentaire si vous avez une stratégie principale, si vous avez une petite astuce, ou si vous avez des recommandations de jeu, pourquoi pas, ou bien marquer ce que vous voulez, à liker ou disliker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour voir les autres contenus, et pour ne pas rater ce qui va arriver tous les mercredis à 15h30, c'est le rendez-vous, de me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent, où j'annonce des fois des trucs. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.